Salut les kikis, petite dégaine du dimanche, tu connais. Qui dit dimanche d'été dit brocante. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Premier vlog. J'espère que ce sera pas trop fastidieux. En tout cas, objectif, trouver des matrioshkas, trouver des petits poneys pour ma fille, trouver des monsieur madame, des figurines et des livres. Et puis ma foi, on verra. C'est parti! Parti pour ce hall de brocante. Il y a Chacha qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Elle sent tous les articles en fait que j'ai ramené de brocante. Donc voilà, je vous la présente officiellement. C'est Chacha. C'est parti du coup pour ce hall de brocante. Je vous le dis tout de suite, c'est 100% enfant puisque je n'ai pas forcément trouvé les choses pour lesquelles toutes les choses que j'avais en tête du style les matrioshkas, etc. Mais du coup, je suis bien contente parce qu'on fait des affaires, on se balade, on prend le soleil, les enfants, ils peuvent jouer avec tout, ça dérange personne. Et on est parti du coup avec ma copine, mon mari et nos enfants. Trois enfants à gérer dans une brocante, c'était un petit peu sport, mais au moins, voilà, les enfants, ils kiffent, ils vont partout, ça dérange personne. Voilà, ils touchent à tout, c'est pas grave. Alors, c'est parti. Du coup, il y a le chat, il est en folie parce qu'en fait, il sent les petits poneys. Du coup, les petits poneys, je les ai achetés 50 centimes pièce. Du coup, il y a celui-là. Franchement, ils sont mes canons, les petits poneys là, de nos jours là. Je ne me rappelle pas qu'à notre génération, ils étaient aussi beaux. Du coup, 50 centimes. 50 centimes toujours. Après, hop, j'ai pris ceux-là. Dans une autre vidéo de ressourcerie, donc j'y étais avant-hier, j'ai trouvé 4 petits poneys. À ma fille, et en fait elle a kiffé, et c'est pour ça que je me suis dit à la brocante aujourd'hui je vais lui en retrouver, et je les avais payés aussi 50 centimes. Et en fait, tous les My Little Pony, ils ont des petites encoches sous les pattes, ce qui permet en fait d'acheter les accessoires qui vont avec, que je vais vous montrer tout de suite, et puis là c'est compatible. Oula, en fait, je prends le seul où il n'y a pas d'encoche. Genre là, il y a une encoche. Et ça permet de fixer le petit poney, hop, dans la carriole. Voilà. Donc ça, les accessoires, j'en ai acheté 4 pour 1,50 €. Donc trop bien. Celui-là, il n'est pas tracté. Mais ce modèle-là, je suis en train de tout exploser par terre. Ce modèle-là, il y a des piles et en fait, il avance, il est tracté. Dites-moi en commentaire s'il existe un circuit, parce que je pense. Mais en tout cas, voilà, tous les accessoires là, j'ai payé ça 1,50 €. Donc franchement, c'est pas cher. Donc il y avait ça, hop, en fait, deux locomotives, une carriole et une petite carriole comme ça. Voilà. C'est tout pour My Little Pony. C'est déjà pas mal. Ah non, c'est pas tout. Oh là là.
J'avais trouvé cet accessoire. Donc au loin, je l'ai vu, j'ai été attirée par la glace. Hein, c'est super mignon. Mais en fait, c'est pas du tout la bonne taille. C'est-à-dire qu'il y a quand même les encoches. Mais ça ne rentre pas à l'intérieur, en fait. Il rentre pas dedans. Donc il doit exister le modèle encore en dessous. Ça me donne un nouveau goal de brocante. Mais bon, je suis un petit peu déçue. Mais bon, ça, je l'ai payé 1 euro. Franchement, voilà, ça ira bien. Elle pourra mettre d'autres personnages dedans. Mais en tout cas, c'est aussi My Little Pony. Parce que du coup, il y a la marque écrite là. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous savez s'il y a d'autres modèles en fait, ça doit être plus petit encore. Et puis après, comme ma fille, elle a emmené au parc hier ses petits poneys, forcément son copain a kiffé. Et voilà, du coup j'ai trouvé deux autres poneys pour offrir aux petits copains du parc. Après, j'ai pris cette petite gourde Tupperware. Hop, à 10 centimes. On fait des affaires en brocante. Après, ma fille, elle est à fond pas de patrouille. Du coup, ce petit chien, ça a coûté 1 euro. C'est Zuma, si je dis pas de bêtises. Après, on commence à aller régulièrement à la piscine. Du coup, j'ai pris ses lunettes. Je crois que je les ai payées 50 centimes. Après, elle a pris ça. Me demandez pas pourquoi. Je sais même pas si ça va ensemble. Apparemment, c'est peut-être Pet Shop. Ça, c'est déjà un petit peu plus grand, hein, je pense, parce que ma fille, elle a que 3 ans, donc ça, je trouve que c'est pas encore trop adapté, mais bon, son père a craqué. Après, dans les livres McDo, on est tombé sur les créatures fantastiques de Brocéliande. Voilà, 50 centimes. Après, on a pris un jeu de petits loups qui voulaient changer de couleur. Si vous ne nous suivez pas, allez vous abonner. On fait des lectures interactives avec ma fille et du coup, on a déjà lu ce bouquin. Voilà, en fait, on lit ensemble avec ma fille des livres qu'on chine en brocante. Et du coup, là, c'est une des histoires qu'on a déjà lues. Donc, je l'ai payé 1 euro et on apprend les couleurs, les jours de la semaine, etc. Voilà, il est neuf, hein. Franchement, l'état des cartes, voilà, impeccable. Après, en jeu de société, toujours. SOS Ouistiti, si vous connaissez pas, il faut enfiler des petits singes dans un palmier avec des pics et on tire un dé et en fait les singes tombent, celui qui récupère le moins de singes a gagné. C'est un jeu de société qu'on avait découvert dans un Airbnb à la montagne. Ma fille, elle avait adoré, il y a écrit sur la boîte que c'est 5 ans et plus, mais franchement elle a 3 ans et elle adore. C'est on ne peut plus simple. Vraiment, il y a un truc à empiler, des pics, un dé, des singes et c'est parti. Du coup, voilà, 3 euros, très bonne affaire. Et puis bah pour finir, une petite casquette, pareil, état franchement impeccable, Okaidi, et je l'ai payé 50 centimes. Donc franchement, vraiment, les brocantes, super affaire. Moi, je suis pas très fan de Vinted et compagnie parce que j'aime bien toucher les articles, voir l'état des articles, etc. Puis j'aime le contact avec les gens. Ma fille, elle essaye tout de suite les jouets, du coup je vois si ça lui plaît ou pas. Du coup, voilà, je suis adepte des brocantes. J'adore quand il fait beau le retour des brocantes. Il fut un temps quand j'avais pas d'enfants, je les faisais aussi où je vendais pas mal de choses. Maintenant, je préfère vendre sur les groupes ou carrément donner. Hein, vous le savez maintenant, ceux qui me suivent depuis un moment, donner en ressourcerie, donner aux copines, faire du troc, etc. Mais du coup, voilà, super affaire aujourd'hui. Je suis très très contente. N'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce vers le haut. C'est mieux que. En bas. Après, vous avez le droit de pas aimer. Abonnez-vous pour plus de contenu et puis dites-moi en commentaire les articles que vous avez déjà chez vous ou alors que vous auriez aimé aussi chiner. Je vous dis à la prochaine pour une lecture de compte. Tous les mercredis, les lectures de compte et les dimanches, on chine.